Madame la mairesse, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Bonsoir, chers citoyens et citoyennes. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment d'être du rendez-vous pour cette dernière séance, hein, séance régulière du Conseil municipal de l'année. Bien que nous ayons donc une séance extraordinaire dans 2 semaines, le 21 décembre, alors nous aurons l'occasion à ce moment de vous exprimer nos bons voeux et échanger sur l'année et le temps des fêtes qui est à nos portes. Alors, d'ici là, effectivement, nous allons donc aller de l'avant avec l'ordre du jour que vous avez devant vous. Alors, je me tourne maintenant donc vers mes collègues. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Madame la mairesse. Ça va bien? Très bien, merci. Bonsoir. Hugues. Alors, nous, il y a peut-être Maryse là qu'on voit, la caméra, je ne sais pas si elle est fermée, mais donc nous sommes tous et toutes là. Il y a sûrement, il y a M. Bousquet là, il y a une panne d'électricité dans le secteur nord. Alors, il y a quelques ajustements et on va voir si M. Bousquet est en mesure de se joindre à nous. Alors, ça fait s'il n'y a pas de modification à l'ordre du jour, je prendrais quelqu'un pour en faire la proposition. J'en fais la proposition. La conseillère Mylène Allary fait la proposition de l'ordre du jour. Excellent. Donc, nous allons regarder. Nous avons deux procès-verbaux à adopter, donc celui de la séance ordinaire du mois de novembre. Excusez, Mme Marie, vous avez oublié les bons coups de la mairesse? Non, Richard n'est pas là. Brigitte, je te remercie. Non, les bons coups de la communauté, excusez-moi. Oui, c'est que Richard n'est pas là. OK. Parfait, je m'excuse. Ça va? C'est moi qui vais le faire, si vous voulez. Ah, OK. Donc, alors, bonsoir tout le monde. Donc, on est en panne de courant. Là, on a réussi à se brancher. Désolé pour le petit contretemps que ça peut nous amener. Alors, le bon coup de la communauté, c'est de signaler que le prix de l'année a été décerné par le Conseil des arts et des lettres du Québec, a décerné à Mme Hélène Dorion le prix d'artiste de l'année en Estrie. Alors, résidente d'Harford, Hélène est une artiste visionnaire et accomplie. En plus de 35 ans, elle a construit une œuvre qui sonde l'intime de l'être et invite à méditer la splendeur du monde. Poésie, roman, récit, essais, livres d'artistes, albums jeunesse, ses livres sont publiés dans une quinzaine de pays et lui ont valu plusieurs distinctions, dont le prix littéraire du gouverneur général et plusieurs autres. L'année 2020 est marquée par la publication de son dernier livre qui s'intitule « Pas même le bruit d'un fleuve » chez Alto, un roman qui s'est trouvé un fort écho auprès des lecteurs et de la critique. Alors, nous offrons, au nom du conseil municipal, nos plus sincères félicitations à Hélène Dorion. Bravo. Merci, bravo. Alors, un honneur, Mme Dorion. Donc, nous allons, une belle idée pour un cadeau de Noël, donc un livre d'une auteure orfroise. Merci beaucoup, Jean. Madame la mairesse? Oui? J'avais, moi, pas un bon coup, mais une bonne nouvelle que j'avais envie de partager avec les citoyens. Alors, la corporation Ski Golf Marford qui a annoncé qu'il y aura de la randonnée en soirée de 16h à 22h tous les soirs, donc en cette période de pandémie, je pense que c'est une excellente nouvelle pour notre santé physique et mentale. Alors, je souhaitais passer le mot par la même occasion pour que tout le monde puisse en profiter. Quelle bonne idée, Mylène. Merci, Mylène. Donc, rendez-vous à la montagne en soirée avec nos frontales. C'est bien, il y a autre chose? Non? N'hésitez pas, au fur et à mesure, de prendre la parole pour d'autres éléments. Alors, ça nous amène donc au procès-verbal. Je prendrai quelqu'un pour faire la proposition de l'adoption du procès-verbal du 2 novembre. Alors, j'en propose l'approbation. Ouais. Merci beaucoup. Alors, la conseillère Diane Boivin a fait la proposition pour ça voit tout le monde. Pour ce qui est de la séance extraordinaire du 20 novembre qui a marqué l'histoire. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 novembre dernier.
qui portait sur quoi déjà? Sur l'adoption des règlements d'urbanisme, notamment. Voilà, résultat de longues démarches. Merci, Maryse. Donc, en 2.1, nous avons le dépôt de documents. J'invite la greffière à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui, il y a la situation budgétaire cumulative au 30 novembre 2020, la liste des comptes à payer en date du 30 novembre 2020, dépenses des fonctionnaires ou employés conformément au règlement numéro 821 de novembre 2020, et il y a un procès-verbal de correction selon l'article 202 du Code municipal du Québec de la résolution numéro 2020-11-330 qui est intitulée « Échange de terrain partie du chemin dépôt ». Il y avait eu une erreur dans un des lots. Alors, on a fait une correction pour mentionner le bon lot. Merci beaucoup. Alors là, on voit en direct là, notre directeur général là, qui fait... nous amène les résolutions en direct donc pour tous et tous. Alors, merci Brigitte, tu nous amènes donc les questions du public la dernière fois. Éric, est-ce que vous avez des questions en suspens de la dernière séance du conseil? Éric, je ne sais pas si vous nous entendez. Oui. Mais il y avait, moi j'avais Mme Marie, il y avait un monsieur Pichette qui avait posé une question par rapport à fournir le nombre de personnes habiles à voter mais là il y a marqué pour le secteur R19, mais malheureusement ça ne fonctionne pas par zone. C'est toute la municipalité qui va être appelée à se prononcer. Alors, je n'ai pas fait le calcul encore pour le registre. Ça va aller au cours du mois de janvier. OK. Merci. Ça va pour... OK, Éric, pendant que... Est-ce que vous m'entendez? Éric, on peut... OK, alors on continue. S'il y a d'autres choses, on pourra donc s'ajuster. Ça nous... donc, vous avez la période de questions du public. Donc, mesdames, messieurs, si je vois M. Boutet, M. Pichette, M. Gordon, bref, M. Pagé, M. Tremblay. Et qui d'autre? Bref, vous avez peut-être je vais laisser la parole à Isabelle qui va me transmettre les noms. Oui, certainement. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Seulement à titre de rappel, pour poser une question, nous vous invitons à ouvrir le module participant ou plus dans votre Zoom et ensuite à cliquer sur le bouton lever la main, ce qui va vous permettre de lever votre main virtuellement. Vous pourrez alors poser votre question. Donc, nous avons une question, M. Pierre Boutet. Oui, bonsoir. C'est simplement par rapport à la séance extraordinaire du 20 novembre, justement sur le nouveau plan de zonage, plan d'urbanisme. Il y avait une convocation sur le site web et aussi une convocation par Facebook, je crois. Est-ce que vous m'entendez bien? Non. Mais on vous entend un peu. Donc, il y avait eu une convocation par Facebook et aussi sur le site web. Alors, je me disais que ce serait plus pratique pour les citoyens s'il y avait aussi la convocation par courriel à tous ceux qui sont abonnés au bulletin électronique, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas aller tous les jours sur le site web pour voir qu'il y aurait une annonce. Là. Ça serait une suggestion. Ouais. Merci beaucoup, M. Boutet. En effet, je pense qu'on a, on a manqué un peu dans le sens que, effectivement, ça c'est sur le coup. Après, on a vu qu'effectivement, on avait peut-être pas fait toutes les démarches, là, mais l'essentiel était là. On l'avait nommé donc à des séances, mais on prend vos suggestions. Effectivement, on n'informe jamais assez. Donc, c'est noté. Merci. Mais si vous avez des questions ce soir, puis les autres, c'est toujours possible. Ça va? Il n'y a pas de souci, comme disait Français. Vous pouvez. Alors, donc, est-ce qu'il y a une autre personne pour qui a des questions, un commentaire, des suggestions? Oui, Madame la mairesse, nous avons Michael Borden qui a une question. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. OK, excellent.
J'ai pris connaissance de cet règlement 950, le plan d'urbanisme. Oui. Puis, je suis content de voir que vous avez fait l'inclusion de corridors phoniques. Et sur la page 30, on démontre de futurs tracés de voies de circulation, ainsi que des zones de terrain vacants de grande superficie. Ce sont des zones démarquées en jaune. Et je veux apporter votre attention à une de ces zones qui est des petites zones, pas loin de... Oui. C'est la zone qui est appelée R20 dans l'annexe 1 du plan de zonage. Oui. Le développement de la rue du Héron a diminué beaucoup le corridor naturel de passage des chevreuils entre deux zones de forêt, en arrière de, autour de la rue du Charme. Oui. Et ce petit trapézoïde qu'on voit sur la page 30 est le seul endroit maintenant, c'est un endroit pour le passage des animaux qui connecte les grandes forêts dans le nord-est de la ville vers le sud-est. Et on veut savoir qu'est-ce qui est planifié pour cette trapézoïde, surtout sur une carte qui démontre les boulevards qui vont traverser dans des grandes zones démarquées jaunes. On veut savoir, est-ce que c'est réservé pour quelque chose? OK, mais là, il faudrait qu'on sorte le document. Là, vous l'avez, vous êtes... on va prendre le temps, là, peut-être pendant la séance et pour vous revenir un peu plus tard, là, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, on n'a pas l'information. Peut-être, je vais laisser la parole à la présidente du CCU, là, peut-être Maryse, de voir si c'est... Mais je crois qu'on devrait regarder la carte. Peut-être, Monsieur Borden, vous pourriez nous donner vos adresses, votre adresse courriel, qu'on puisse vous répondre de façon plus précise. Oui, j'ai envoyé... Parce que je pense que c'est important qu'on puisse regarder effectivement la carte, puisque vous mentionnez. Oui, il y a une heure, j'ai envoyé mon courriel avec cette information. OK. Parfait, donc n'hésitez pas. Donc, vous allez nous envoyer un courriel? C'était déjà fait. OK. Ah, parfait. On ne peut pas, là, comme ça, on n'a pas le document devant nous, mais c'est une excellente. Soyez assurés qu'on va faire un suivi. Puis s'il y a quoi que ce soit d'autre pour la prochaine séance, vous n'hésitez pas, ça vous convient? Ou vous communiquez avec nous avant la séance. Vous pouvez nous appeler, nous écrire aussi comme vous le faites là. OK. Alors, ça vous convient? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent à ce moment-ci prendre la parole? Oui, il y a une autre question, Madame la mairesse, de Monsieur Pierre. Bonsoir, Monsieur Pierre. S'il s'agit de moi, Pierre Boutet, j'ai déjà posé ma question, merci. OK. Bien, y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Une fois, deux fois, trois fois, adjugé. Oui. Ah! Oui, bonjour, c'est Anne Sarrazin. En fait, ma question, Madame la mairesse, est uniquement ceci. On a, nous, plusieurs citoyens, déposé un mémoire en juillet dernier. Oui. Et ce mémoire-là faisait part de certaines préoccupations, de propositions, de recommandations. Mm-hmm. Et je voulais savoir, suite à ce dépôt-là, oui, on m'invite à aller regarder le nouveau plan d'urbanisme sur le site, mais vous comprendrez que c'est quand même pour nous pas si évident d'avoir une bonne compréhension de tout le nouveau plan. Mm-hmm. Et je me demandais si c'est possible d'avoir effectivement une réponse sur les recommandations qu'on avait proposées, pour bien comprendre là, les motivations et tout ça, là, pour être sûr qu'on s'est bien compris. Donc, je vais savoir dans un prochain temps, qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là? Je sais que ça va être déposé, mais quand même, comment ça fonctionne? Si j'ai bien compris ce qui a été présenté la semaine dernière ou il y a deux semaines là, pour la suite des choses, là, je vais être sûre de bien voir comment ça peut s'articuler pour la suite. OK. Ce que je comprends, c'est que vous souhaitez donc avoir, parce qu'effectivement, c'est beaucoup d'informations, mais il y a deux semaines, là, on n'a pas représenté tout, là, on veut vous rassurer, là, parce qu'il y a tellement de choses, mais ce que je comprends, c'est que suite à votre mémoire, en tout cas, juste pour vous rassurer, pour vous dire quand même, on a
À 90 % des cas, nous avons pris en compte, là, nous avons considéré les recommandations, les suggestions, nous avons vraiment ajusté les choses en fonction des suggestions qui étaient dans la même vision que le conseil. Donc, pour ce qui est du détail pour les secteurs, pour votre... moi, ce que je suggère, c'est que M. Allison connaît bien aussi le mémoire que vous avez. On l'a tout en tête aussi, mais je pense que notre coordonnateur à l'urbaniste va pouvoir vous répondre, Anne et Pierre et votre groupe, puis à une personne, peut-être à vous, Anne. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous conviendrait? Ben, tout à fait, tout à fait. Si on peut parler à M. Allison et voir pour la suite, là, il n'y a pas de problème, ça nous fera plaisir. OK. Donc, ça a de l'allure, Maryse? Oui, c'est tout à fait. Parce qu'il faut comprendre que les mémoires ont tous été regardées et il n'y a pas de réponse qui va être faite de façon formelle pour chacun des mémoires qui a été déposée pour dire s'il y a une des recommandations qui a été suivie ou non et le pourquoi. Donc, je pense que la meilleure chose serait effectivement de communiquer avec M. Allison pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Et moi, je peux vous dire qu'en partant de votre mémoire, il y a eu les zones rurales, de renommer les zones rurales, ça a été fait. Mais d'aller dans le fin détail pour chacun des éléments qui étaient dans votre mémoire, ça, je ne saurais pas vous le dire là, comme ça ce soir. Donc, si vous communiquez avec Pascal Allison, il pourra sûrement vous faire part des points qui ont été suivis ou non. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond à la question. Qu'est-ce que vous souhaiteriez sinon? Je ne sais pas. Ben, c'est qu'en fait, notre mémoire comportait plusieurs recommandations au niveau. C'était plus que simplement là, la question rurale. Donc, il y avait plusieurs recommandations. Puis, je veux bien comprendre. En fait, le groupe veut bien comprendre les décisions qui ont été prises. Parce que si on regarde uniquement dans le plan, pour nous, ce n'est pas si simple d'aller effectivement valider si l'ensemble de nos recommandations ont été bien saisies par le conseil, quelle est la suite à donner en ce sens-là. Donc, de parler à M. Allison, c'est effectivement intéressant pour bien comprendre, mais ça ne nous permet pas de nécessairement comprendre ce que désire faire le conseil par rapport à, ou la pensée du conseil par rapport aux recommandations qu'on a déposées. Mais Anne, communiquer avec M. Allison puis voir les éléments qui étaient dans votre mémoire et quels ont été suivis ou non. Oui, c'est ce qu'on va faire. De toute façon, on va prendre contact avec M. Allison. On verra par la suite. Ça va maintenant. Il y a une règle là, qui veut que la municipalité ne répond pas à si vous aviez à toutes les recommandations. Maryse l'a bien dit là, c'est pas une pratique qui ne peut se faire. Alors, je pense que dans le règlement, dans le 950, dans le 951, c'est de le revoir. Je pense que vous l'avez étudié. Puis s'il y a des questions précises. Donc, là, à ce moment-là, de le demander à Pascal, mais vous comprendrez là, que c'est impossible et c'est pas peut-être de rentrer dans tout le détail de chacune des mémoires. Je ne sais pas si vous comprenez, Anne, c'est pas quelque chose, en tout cas, qui... Je comprends tout à fait. En fait, c'était l'esprit de la chose là, qui était Parfait. Davantage pour moi une préoccupation. Parfait. OK. Donc, merci. On irait de l'avant s'il n'y a pas d'autres questions? Pas d'autres questions, Madame la mairesse? Non. Alors, il pourra en avoir à la fin de l'Assemblée. Allons-y donc avec... Est-ce que Richard s'est joint à nous? Non. OK. Pour 2.4, donc j'invite la conseillère Lorraine Lévesque à nous présenter la prochaine proposition. Oui, bonsoir. Fait que déjà, nous avons nos dates pour 2021. Fait que ça démontre que 2020, ça l'achève. Fait que donc, je ne lirai pas toutes les dates, vous les voyez à l'écran, mais c'est ça. On a cédulé encore les lundis et les mardis du mois. Vous remarquerez aussi qu'au mois d'octobre, étant donné que c'est une année d'élection, il n'y aura pas de séance. Fait que voilà le calendrier. Donc, je propose d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021. Merci beaucoup. Alors, j'invite maintenant le conseiller Jacques Lozon à nous faire la prochaine présentation.
Oui, merci. Alors, nous avons eu un congé de maladie que notre trésorière, depuis le début novembre, a pris. En période budgétaire, ça nous a causé un certain problème. Alors, la direction générale a sollicité un support pour la production du budget, des états financiers de fin de mois et pour porter assistance au personnel pour toute question qui touche les opérations comptables. En conséquence, je vous propose de ratifier le mandat d'octroyer à la firme Demers Bone, cabinet de services conseil et comptable, dans l'accompagnement de la direction générale dans la production d'informations financières telle que décrite à l'offre de service de novembre 2020. À cette fin, le conseil autorise une dépense estimée à 15 000 $, montant étant plus à même le surplus cumulé, ce qui va nous permettre de vous présenter en bonne et due forme un budget cette année. Merci beaucoup, Jacques. Alors, j'invite maintenant la conseillère Diane Boivin à nous présenter la prochaine proposition. Oui. Alors, voici la régie de police Memphrey-Magog a dressé et transmis à la municipalité ses prévisions budgétaires pour l'exercice 2021. Celle-ci démontre des dépenses de 10 311 700 $ des revenus de 10 311 1700 $ et une quote-part de la municipalité du canton de Hartford de 1 382 903 $. Je propose donc d'approuver les prévisions budgétaires de 2021 soumises par la régie de la police Memphrey-Magog et à cette fin, le conseil autorise une dépense de 1 382 903 $. Voilà. Merci beaucoup. Passons maintenant à la prochaine résolution avec la conseillère Mylène Lalarie. Oui, mais eh bien, c'est une contribution financière à l'organisme Memphrey-Magog Conservation Inc. Alors, c'est un organisme bien connu dans la région, régional, qui a comme mission de protéger la santé du lac Memphrey-Magog et son bassin versant. Alors, je propose de remettre une somme de 250 $ à cet organisme de la part de la municipalité pour les aider dans leurs activités et leurs missions. Merci beaucoup. Alors, même chose pour l'organisme Endroit. La voix verte. Considérant que l'organisme Endroit a pour mission la promotion et la défense des droits des personnes handicapées de la MRC Memphrey-Magog, que cet organisme soutient le développement de projets pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant un handicap et de leur famille. Considérant que la loi sur les compétences municipales permet à la municipalité de fournir une aide, je propose de remettre un montant de 250 $ à l'organisme Endroit, montant étant puisé à même le fonds général. Merci. Passons maintenant à des nominations de membres pour le CCU. Oui, donc afin que nos deux conseillères continuent leur excellent travail, comme procédure administrative, on doit confirmer leur nomination. Donc, je propose de nommer Mme Baris Blais et Mme Diane Boivin afin de siéger au comité consultatif d'urbanisme de la municipalité du canton d'Orford et ce, jusqu'au 15 octobre 2021, et de nommer Mme Baris Blais présidente du comité d'urbanisme et ce, jusqu'au 15 octobre 2021. 2021. Oui. C'est bon, hein? On a à s'habituer au 2021. Ça va rentrer. Il y a des nominations aussi donc pour des membres. Alors, avec Mylène, je crois. Maryse. Oui, mais comme vous savez, tout le monde, on a un règlement qui concerne le comité consultatif d'urbanisme. Et en vertu de ce règlement-là, le mandat des membres sont nommés pour 2 ans. Donc, le mandat des membres qui au siège numéro 4 et le membre au siège numéro 6 se termine le 31 décembre 2020. Considérant que M. Stéphane Desjarlais, qui est au siège numéro 4, et André Pagé, au numéro 6, ont fait part à la municipalité qui désirait poursuivre pour un autre mandat. Je dirais aussi, considérant que la municipalité a évalué les candidatures des membres sortants et également celles reçues, notamment en regard du secteur de résidence des candidats, ceci afin d'avoir une représentativité sur l'ensemble du territoire d'Orford, comme c'est prévu au règlement 860.
Donc, je propose de nommer M. Stéphane Desjarlais au siège numéro 4 et M. André Pagé au siège numéro 6 pour siéger au comité consultatif d'urbanisme du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Leur mandat étant de 2 ans. Merci beaucoup, Madame Blais. Maintenant, nous avons le renouvellement de l'entente des services avec la SPA. Donc, Il y a une demande d'aide financière à 2.11 avant. Ah oui, OK, merci. Oui, en effet, là, j'étais un peu trop loin. Alors, donc... Je peux le présenter? Oui? Je peux le présenter, si vous voulez? Oui. Vu l'absence de M. Bousquet. Donc, c'est une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activité de plein air. Considérant que la municipalité a l'intention d'apporter des modifications, des améliorations, je devrais dire, au parc de la rivière Ousserie, soit aménager un stationnement à quelques pas du sentier et faire une déviation de la piste cyclable qui passe aux abords du parc, installer des bancs de parc et des chaises dans les zones ombragées, équiper le sentier de poubelles d'un distributeur de sacs pour les chiens qui s'y promènent, mettre à niveau le pont qui enjambe la rivière Ousserie. Considérant le programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activité de plein air du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, je propose que la municipalité d'Orford autorise la présentation du projet d'amélioration des sentiers et des installations au parc de la rivière Ousserie, au ministère que j'ai mentionné ci-dessus, dans le cadre du programme subventionné. Et je propose que soit confirmé l'engagement de la municipalité à payer sa quote-part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Et que la municipalité autorise le directeur général, M. de la Sablonnière, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer tous les documents relatifs à ce projet. Merci. On espère un résultat positif. Alors, passons maintenant donc à l'entente avec la SPA. Oui. Alors, considérant que la municipalité du canton d'Orford se doit d'assurer le contrôle de la population animale dans les limites de son territoire, que la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et que le règlement d'application de cette loi confère de nouvelles responsabilités aux municipalités, considérant que la Société protectrice des animaux de l'Estrie assure le service sur le territoire de la municipalité et ce depuis le 1er janvier 2009 et que le contrat vient à échéance le 31 décembre 2020, considérant qu'un renouvellement de l'entente de service a été déposé à la municipalité par la SPA de l'Estrie au cours de l'automne 2020, et que le Conseil désire procéder au renouvellement de l'entente avec cette dernière, je propose d'autoriser le renouvellement de l'entente de service avec la SPA de l'Estrie pour le contrôle et la garde responsable des animaux sur le territoire de la municipalité du canton d'Orford, et ce, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, en respect des modalités de l'entente annexée à la présente. À cette fin, le Conseil autorise une dépense de 13 064,48 $ pour l'année 2021, montant étant puisé à même le fonds général. Ce montant sera par la suite augmenté de 9 % pour les 4 années suivantes. À cette fin, le Conseil autorise la mairesse ou, en son absence, la mairesse suppléante, la greffière et la greffière à signer la dite entente. Voilà. Merci beaucoup, Diane. Donc, ça nous amène au prochain point, donc de nommer et désigner une personne responsable. Donc, j'invite Maryse à nous en faire la présentation. Bien sûr. Considérant toujours la même loi dont Diane vous a parlé, qui concerne qui vise à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, considérant le règlement d'application de cette loi qui est entré en vigueur en mars 2020, et ce règlement d'application-là donne des pouvoirs aux municipalités à l'égard des chiens, des propriétaires de chiens ou de leurs gardiens. Considérant le futur règlement que nous avons l'intention d'adopter prochainement concernant la garde et le contrôle et la garde, responsable des animaux, considérant l'entente de service à intervenir entre la municipalité
et la Société protectrice des animaux, la SPA de l'Estrie, considérant qu'il y a lieu de nommer une personne responsable pour l'application de la section 3 de la loi et de la section 4 du futur règlement. Je propose de nommer, là, c'est mentionné la greffière, j'aurais peut-être mentionné la personne qui occupe le poste de greffier, mais responsable de l'application de la section 3 du règlement d'application de la loi que je vous ai mentionné et de la section 4 du futur règlement numéro 942. Voilà. Merci. Donc, par la petite modification. Merci, Marie. Mais je pense qu'on pourrait faire la modification pour être plus neutre, là, vu que c'est un poste qu'on désigne. OK, c'est bien. Donc, ça va pour tout le monde. Donc, nous allons aller à la section des finances. Nous avons seulement le point de l'adoption des comptes à payer. Je crois que... Est-ce qu'il y a une... 2.13. Marie, oui, il y a le... La modification de l'entente intermunicipale. Ah oui, je ne suis pas dedans, hein? OK. Alors, oui, en effet, pour... c'est une entente, donc je pense que c'est Mylène qui va en faire la présentation. Je m'excuse. Effectivement. Mais Brigitte avait quelques informations à nous donner avant que j'en fasse la proposition. Bon, en fait, c'est une entente qui a été signée en 2005, puis l'entente est renouvelable de 3 ans en 3 ans, et ils ont changé l'article concernant le renouvellement pour être de 5 ans en 5 ans. Puis on fait une rectification par rapport à si une municipalité veut se retirer. Là, ils ont comme plus changé les règles pour que ce soit un petit peu plus facile d'application. OK. C'est tout. D'accord. Alors, je vais y aller avec ma lecture. Alors, considérant que la municipalité a conclu une entente en vertu de laquelle elle a délégué à la MRC le pouvoir d'établir et d'exploiter un établissement de récupération et de conditionnement des matières recyclables et de confier ses fonctions à toute autre personne, considérant qu'il y a lieu de modifier cette entente de délégation, comme vient de nous l'expliquer Brigitte, considérant qu'un texte d'une entente modifiant l'entente de délégation a été présenté en projet au cours de la séance du conseil de la MRC qui a été tenue le 25 novembre dernier, considérant que la municipalité considère opportun d'adopter des modifications à l'entente de délégation, je propose d'approuver l'entente modifiant l'entente de délégation, d'exprimer à la MRC son intérêt de conclure l'entente modifiant l'entente de délégation dont le texte est identique au projet présenté au Conseil de la MRC et d'autoriser la mairesse Mme Marie Boivin et la greffière Mme Brigitte Boisvert à signer l'entente modifiant l'entente de délégation. Donc, une résolution bien administrative et technique. Merci, Mylène. Modifier l'entente de l'entente. Voilà. C'est entendu pour tout le monde? Alors, l'approbation des comptes à payer. Alors, oui. C'est Lorraine qui nous a fait la proposition. C'est moi qui en fais la proposition. Donc, j'ai révisé la liste des comptes à payer en date du 30 novembre 2020 et je confirme que tout est en règle. Donc, je propose d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 321 912 en date du 30 novembre 2020. Un gros mois. Merci, Lorraine. Voirie et infrastructures. Alors, nous allons entendre d'abord le conseiller Jacques Lauzon pour les demandes d'aide financière, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. En fait, il s'agit de travaux qui ont déjà été exécutés et qui sont admissibles au programme d'aide à la voirie locale. Alors, il y a deux résolutions. La première va traiter de travaux qui ont été effectués sur le chemin du lac Brompton dans le remplacement d'un ponceau. Alors, je propose que la municipalité du canton d'Hartford confirme la fin des travaux de remplacement du ponceau au chemin du lac Brompton. Mm-hmm. Première résolution. Et la seconde, toujours sur le chemin du lac Brompton, il s'agit cette fois-là de travaux de rechargement, donc granulaires, pour presque 6 km de long, ce qui fait que le lac Brompton, le chemin du lac Brompton a été vraiment rehaussé au-delà de nos attentes. Là, on a vraiment réussi à le faire au complet. Alors, je propose que la municipalité du canton d'Hartford confirme la fin des travaux de rechargement d'une partie du chemin du lac Brompton. Et voilà. Merci. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein? La réfection de ce chemin-là. Grosse différence.
Il y en avait besoin. Oui, en effet, ce n'était pas un luxe. Passons maintenant à la fourniture de main-d'œuvre et de pièces. Une proposition qui sera présentée par la conseillère Mylène Allary. Oui, alors, c'est pour la fourniture de main-d'œuvre et de pièces pour l'entretien préventif des groupes électrogènes. Mm-hmm. Alors, considérant que la municipalité désire obtenir la main-d'œuvre, l'équipement, l'outillage et les pièces de rechange nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien préventif des groupes électrogènes pour la période du 8 décembre au 15 décembre, du 8 décembre 2020 au 15 décembre 2022. Considérant que les demandes de prix effectuées auprès de deux compagnies pour le marquage sur route sont SIB Électronique, qui a soumissionné pour un montant de 13 107,15 $, et Dromco Énergie, 14 027,71 $. Alors, la compagnie SID Électronique est le plus bas soumissionnaire conforme. Et je propose donc de mandater la compagnie SID Électronique pour procéder à la fourniture de la main-d'œuvre, l'équipement, l'outillage, les pièces de rechange nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien préventif des groupes électrogènes du 8 décembre 2020 au 15 décembre 2022. Et à cette fin, je propose que le conseil autorise une dépense de 13 107,15 $, toutes taxes incluses, puisée à même le fonds général. C'est complet. Donc, résolution en bonne et due forme là, qui nous amène à la prochaine proposition avec un mandat là, qui sera présenté par la conseillère Maryse Blais. Oui, la présente résolution concerne le barrage Sarcelles. C'est un barrage qui a été construit en 1965. En réalité, c'est un remblai qui fait aussi la rue Sarcelles, qui a une hauteur de 6 mètres, une longueur à peu près de 113 mètres de longueur. Comme vous savez peut-être, il y a une étude de rupture qui a été réalisée en juillet 2020. Et au niveau des conséquences, les conséquences ont été définies comme étant importantes si jamais il y avait rupture du barrage, notamment pour la route 141, qui est le chemin du parc, qui aurait un bon coup d'eau si jamais le barrage venait à céder. Considérant que la municipalité doit procéder à une évaluation de sécurité du barrage, ce qui est exigé par l'article 50 du règlement sur la sécurité des barrages, considérant qu'avant de faire cette évaluation de sécurité, une étude géotechnique est nécessaire afin d'obtenir certaines informations, notamment liées à la stabilité de l'ouvrage, considérant que trois firmes ont été invitées pour faire une soumission et que le plus bas soumissionnaire est la firme Englobe au montant de 21 532,98 $. Donc, je propose de mandater cette firme afin de procéder à la réalisation d'une évaluation de sécurité du barrage Sarcelles, numéro X000-2767, tel que décrit au devis DV387. Et à cette fin, le conseil autorise une dépense de 21 532,98 $, toutes taxes incluses, montant étant puisé à même la réserve financière qui est dédiée à la voirie locale. Merci, Maryse. Donc, merci de nous avoir apporté un petit élément historique. Hein, 1965. Il faut mettre un peu de couleur. Oui, voilà. J'invite maintenant la conseillère Diane Boivin pour nous présenter le point 7.1. Oui. Alors, il s'agit de l'embauche d'un pompier. Considérant que le service des incendies recommande l'embauche de M. Éric Larivière comme pompier à temps partiel, celui-ci étant déjà formé et certifié par l'École nationale de pompiers du Québec, l'ENPQ, et pouvant agir comme pompier sur les interventions dès l'embauche, considérant qu'il sera rémunéré au taux prévu à la convention collective de travail entre la municipalité du canton d'Orford et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Orford, je propose d'embaucher M. Éric Larivière à titre de pompier à temps partiel pour le service des incendies du canton d'Orford, le tout tel que recommandé par le directeur incendie. Alors, on souhaite un chaleureux bienvenue à M. Larivière. Tout à fait. Bienvenue dans la grande équipe. Merci beaucoup. Monsieur Larivière a déjà travaillé pour la municipalité du canton d'Orford. Bon retour. Merci beaucoup, Diane. Nous avons ce soir donc trois avis de motion et trois projets de règlement. Alors, commençons dans l'ordre.
avec le premier sur la gestion des matières résiduelles. Oui, donc, règlement, une motion très importante qui va être suivie du règlement. Donc, confirmant à l'article 445 du Code municipal du Québec, je donne avis de motion, car lors d'une séance ultérieure, ce conseil prévoit adopter le règlement numéro 940. Ce dernier a pour but de réglementer la gestion des matières résiduelles. Alors, le prochain avis de motion concerne le contrôle et la garde responsable des animaux. Oui. Eh bien, ça concerne le projet de règlement numéro 942. Donc, je donne avis de motion, car lors d'une prochaine séance du conseil, le conseil prévoit adopter le règlement numéro 942 qui porte sur les normes et les règles concernant la garde et le contrôle des responsables des animaux sur le territoire de la municipalité. Merci. Alors, le dernier, mais non le moindre, concerne une modification pour les droits de mutation. Alors, avec la conseillère Mylène Larry. Et oui, alors, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je donne avis de motion, car lors d'une séance ultérieure, ce conseil prévoit adopter le règlement numéro 943, qui a pour but de prévoir un taux de droit de mutation qui va être applicable aux transferts dont la base d'imposition est supérieure à 500 000 $. Par la même occasion, la greffière demande d'être dispensée de la lecture de ce projet de règlement. Une copie sera remise avant la séance du 7 décembre, date prévue pour son adoption. Et je présenterai le projet de règlement plus tard. Mais ça s'en vient, donc on y est pour la suite dans l'ombre, Lorraine, Maryse et Mylène. Oui, donc l'adoption du projet de règlement des matières résiduelles. Donc, considérant que la municipalité est régie par les dispositions du Code municipal du Québec, considérant l'article 19 sur la loi des compétences municipales qui autorise la municipalité à adopter des règlements en matière d'environnement, ce qui comprend la gestion des matières résiduelles, considérant que le conseil municipal juge opportun de modifier la réglementation relative à la gestion des matières résiduelles, considérant que j'ai donné un avis de motion précédemment, considérant qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire tenue le 7 décembre, considérant que tous les conseillers déclarent avoir lu le présent projet de règlement, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 940. Bien, donc on comprend que vous allez nous présenter le règlement en tant que tel lors de la prochaine séance. Pour la suite, Maryse, pour le projet de règlement numéro 942. Comme vous savez, la SPA de l'Estrie est un organisme de protection des animaux sans but lucratif qui offre un service de contrôle et de protection des animaux de compagnie aux municipalités de l'Estrie, et ce depuis 1978. La mission de la SPA est notamment d'harmoniser les relations entre les humains et les animaux, que la SPA préconise une approche préventive plutôt qu'une approche curative en privilégiant l'information, l'éducation et la responsabilisation des citoyens. Considérant la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et le règlement d'application de cette loi-là, et considérant que la municipalité désire obtenir les services de contrôle et de protection des animaux de compagnie sur son territoire, considérant l'entente qui est intervenue entre la SPA de l'Estrie et la municipalité, entente qu'on a vue précédemment, qui a été présentée, je pense, par Mme Diane Boivin. Donc, je propose, que j'ai donné un avis de motion, donc je propose d'adopter le projet de règlement numéro 942, qui vise justement concernant le contrôle et la garde des animaux de compagnie. Merci. Donc, nous pourrons donc faire peut-être une petite présentation lors de l'adoption du projet en tant que tel. Merci beaucoup, Maryse. Passons maintenant au point 9.3 avec Mylène. Oui. Alors, l'adoption du projet de règlement 943 de tout à l'heure, relatif aux droits de mutation applicables aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $. Alors, considérant que conformément à l'article 2 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, une municipalité peut par règlement fixer un taux supérieur à celui prévu à cet article, et ce pour toute tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $.
Considérant qu'un avis de motion a été préalablement donné par moi-même tout à l'heure, considérant qu'un projet est déposé en ce moment même et que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent à sa lecture, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 943. Voilà, est-ce que je fais la lecture du règlement ou il est déposé? Il est déposé sur le site Internet, sur le site web, Mylène. D'accord. Oui, c'est ça. Puis les gens pourront en prendre connaissance. Et puis lors de l'adoption des projets, ça serait une bonne idée de prendre un peu plus de temps pour faire la présentation. Merci beaucoup, Mylène. Ça nous amène... à la fin, c'est ça? Non, mais la correspondance, L'adoption, il y a l'adoption du règlement 449-1, puis l'adoption... Ah oui, c'est ça, le semble aussi qui manque. Bien, j'invite le conseiller Jacques Lauzon à nous en faire la présentation, s'il vous plaît, Jacques. Merci Marie, je vais donner une chance. Alors écoute, pour le point 10.1, il s'agit essentiellement de rendre conforme le règlement sur l'enlèvement de la neige sur les chemins privés, qu'on appelle aussi les chemins de tolérance. Alors nous avons adopté récemment une politique de déneigement sur les chemins privés qui permet de déneiger certains chemins privés qui ne l'étaient pas à certaines conditions. On a aussi connu une très forte augmentation du coût du déneigement qui va nous causer... certains impacts qu'on va voir un peu plus tard. Alors, comme la politique maintenant des chemins est gérée par la politique de déneigement des chemins privés, la nouvelle, ainsi que dans le règlement annuel de taxation qui va définir certains coûts, je propose d'adopter le règlement 449,1 qui abroge le 449, essentiellement par deux articles. Le premier qui abroge le règlement concernant la neige sur les chemins de tolérance et l'imposition d'une taxe spéciale, et le deuxième qui permet de rentrer en vigueur ce règlement-là conformément à la loi. Alors, essentiellement, c'est une conformité pour que notre nouvelle politique des plans de déneigement privé, des chemins privés, soit en vigueur. Merci. Excellent. Bravo, d'ailleurs, pour le travail effectué. Merci. Nous avons donc aussi un règlement à adopter, le règlement qui modifie le 954, avec la conseillère Lorraine Lévesque. Oui, donc une modification du règlement numéro 954, donc 954-1, sur les permis et les certificats, attestation de conformité des faux sceptiques. Donc, en gros, le changement qu'on apporte, c'est qu'on veut s'assurer d'avoir une attestation de conformité émise par un professionnel. Donc, considérant qu'il est approprié d'exiger une attestation de conformité de l'installation sceptique, qu'elle soit délivrée par une personne membre d'un ordre professionnel compétent en la matière, je propose d'adopter le règlement 954-1, lequel statue et ordonne ce qui suit. Bien, je pense qu'une modification qui s'imposait pour ce volet de l'installation sceptique. Merci beaucoup, Lauriane. Alors, est-ce que nous sommes rendus au point 11? C'est bien ça. Donc, est-ce que nous... correspondance ce mois-ci. Non, merci. OK. Donc, on est à la période de questions qui concerne les points, les multiples points que nous avons traités ce soir. Alors, Isabelle, est-ce possible de savoir s'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole? Pour le moment, Madame la mairesse, nous vous invitons à lever votre main virtuellement si vous avez une question. Laissez le temps pour manipuler la souris, le curseur. Bien. Je pense qu'on a été clair, Marie, ce soir. Oui, oui, comme tous les soirs. Je pense qu'effectivement, je pense que ça fait. Il n'y avait pas de. C'est clair, bravo, ça vous revient.
Il faut dire qu'il y a encore 1000 personnes en panne de courant dans le Nord. Là. C'est sûrement pour ça qu'il y a moins de participation. Alors, écoutez, avant de lever la séance, donc je rappelle que nous allons adopter en séance extraordinaire le budget 2021 dans deux semaines, donc le 21 décembre. Et en profiter aussi pour vous exprimer nos meilleurs vœux, prendre le temps d'échanger ensemble et peut-être une petite surprise, là, il y a des suggestions, là, donc à suivre dans nos communications. Merci, chers collègues, merci, chers citoyens et citoyennes, de votre participation et n'hésitez pas à communiquer avec nous s'il y a autre chose. Excusez-moi, Madame la mairesse, il y a une question de Monsieur Tremblay. Bien. Bonsoir, Monsieur Tremblay. Peut-être ouvrir votre micro, Denis, ça peut-être que ça pourrait nous. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui! Bon, ben, puisque vous insistez, oui. Il n'y avait pas de question. Juste une question sur la rue de la Sarcelle. Là. Il y a beaucoup de gens qui suggèrent que le passage de l'eau soit élargi. Pour éviter des situations comme on a vécu l'année dernière. Là, je me demandais si c'était à l'étude dans la révision de la réfection du barrage. Je pense pas, là, mais... Je peux me permettre, Marie? L'étude qui est faite présentement, c'est... effectivement, c'est une étude qui est requise. Attends un petit peu, je cherche mes papiers, là. Je vais les retrouver, ils ne sont pas tellement longs. C'est une étude qui est requise par le règlement sur la sécurité des barrages. On demande d'avoir une évaluation de sécurité. Et avant l'évaluation de sécurité, il faut faire une évaluation géotechnique pour notamment vérifier la stabilité de l'ouvrage. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, l'étude qui va être faite porte essentiellement là-dessus. C'est donc évaluer la stabilité de l'ouvrage. C'est pas d'évaluer s'il y a lieu de modifier le barrage au niveau de niveau du débit d'eau, de la façon que l'eau doit s'écouler. C'est pas dans cette étude-là. Mais est-ce qu'on peut penser que ça va se faire plus tard? Excusez-moi, j'ai rien compris, là. Qu'on peut penser que ça va se faire plus tard? Bien, je pense que, M. Tremblay, on entend les suggestions. Je pense que le directeur, là, les infrastructures vont être informées. Là, ce soir, vous nous soumettez cette idée-là. Donc, elle va être communiquée sans faute là, pour voir donc, éventuellement là, quand les étapes seront rendues là. Si jamais il y a un problème, il y aura des suggestions de résolution de problème et vous en soulevez un. C'est ça qu'on entend. C'est bon. C'est ça? Oui. OK. C'est bien. Ça répond à la question? Oui, c'est bon. Merci. Ça a répondu à la question? Oui. Est-ce que ça a apporté du temps pour une autre personne pour aller donc une question? Sinon, Isabelle, c'est terminé de votre côté? Pas de question de mon côté. Donc, merci Isabelle pour la réalisation de cette émission, de cette séance. Et, je laisse la parole à la conseillère, Mme Lévesque, pour le mot de la fin. Oui, donc je propose de lever la séance et je souhaite une bonne fin de soirée à tous et toutes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Solidarité pour les gens en panne d'électricité. Ouais. Bye bye. Bye.